Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Narfang pour un nouvel épisode de Moonlighter. J'ai fait quelques petits customs pendant que vous étiez pas là, j'ai reforgé une cuirasse ou deux pendant que vous étiez pas là visiblement, et j'ai même trouvé trois bouts de bois pérave pendant que vous étiez pas là. J'ai fait un peu de donjon juste pour avoir des tutunes en fait, enfin même pas pour avoir des tutunes d'ailleurs, je m'en foutais en vrai. C'était pour connaître, à la base c'était juste pour connaître le prix des objets. Le prix des objets, comme vous voyez, qui est par rapport au donjon 1, extrêmement confortable, on va pas se mentir. Donc d'ailleurs, je vais passer la nuit, on va se faire une session vente juste pour vider mon sac. Je vide mon sac ou je me garde les gélatines là. Je vais garder la gélatine. Merde. Alors, je voulais dire flûte, mais c'est ce que vous avez entendu de toute façon. Je vois pas où est le problème. Ah oui, j'ai des notes à rendre à un clampin. Yes. Donc je vais me remettre ça de côté. Paf. Le coffre du donjon 2. Le coffre du donjon 1. Je n'arrive jamais à ouvrir. Je l'ai bien ouvert en deux lui aussi. Et le coffre 3 pour le donjon 3. Allez. Pouit. Alors. Nous, ce qui nous intéresse, c'est aller tabasser le boss du dernier donjon. Finalement. On se fera une petite session vente parce que j'aime beaucoup la musique. Ah merde! Raté! Bon bah on se fait la session vente maintenant, désolé. Oui. Bonjour. Ah oui, ah bah voilà. Fermé. J'ai fait sa quête. Ah bah voilà. Ça payait bien, hein. C'était cool, hein. Ouais bah rends tout, hein, vas-y, hein. Ouais, ça c'est bon, hein, ça j'ai le bon prix, hein. J'ai le bon prix de ce truc, hein, parce qu'on sait jamais. Hein. J'ai le bon prix de ce truc enfin. Oui, j'ai enfin le bon prix de ce truc. Je crois qu'il y a encore des trucs qui sont pas encore au bon prix. Hein. C'est vous dire. J'ai dû en vendre des donjons entiers avant de trouver les bons prix. Hein, parce que j'étais étonné, hein, de cette augmentation de prix. Genre toi t'es au bon prix, c'est bon. Oui, t'es au bon prix. Les feuilles là, si je les balance, croissant c'est bon, c'est maîtrisé. Oui, hop, en bois. Le prix est maîtrisé. Poète, 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 poète. Tu veux que j'aille dégommer? Dis par. Non, ouais, non, ça c'est chiant ce truc. Oh, j'aurais dû dire oui, idéalement, mais. J'ai pas envie de me retaper spécialement un donjon juste pour te faire plaisir, quoi. Ah, c'est ça, trace ta route, trace ta route. Trace ta route. Ça, le sang de tes morts! Prends-moi mon radis, quoi. Ils sont en bon prix, les radis, d'ailleurs. Ah non, on sait pas. Oui, je l'ai vu en 2500 balles pièce, oui. Oui, je suis un peu un neuneu, oui. Ah. Donc j'en vends qu'un, du coup. Parce que je connais toujours pas le bon prix, quoi. Cool. Vous pouvez pas m'acheter un radis pour me dire si c'est le bon prix? Brave Jean, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Achète un radis, wesh. Ah oui, vous avez vu, j'ai aussi amélioré la caisse en or. La caisse en or qui brille. Alors là, vous êtes pas rigolo, hein. Vous achetez le moins cher, vous êtes pas très drôle. Hein. Attends, le prix de ce truc il est maîtrisé? Pourquoi je l'ai séparé en deux? Je sais pas, bref. Ah voilà, ça c'est une bonne idée, achète ça là-haut. Ouais, achète ça, ça c'est une très bonne idée, c'est 10 000 balles ou je remballe. Ça va se finir comme ça, hein. Si vous voulez pas acheter les autres trucs. Poète, 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 poète. Alors, 2500 balles, t'en penses quoi? T'en penses quoi? Ah, 2500 balles, tu trouves que c'est quand même un peu cher. D'accord. J'ai même pas fini de régler tous les prix. Thank you.
penses quoi, petit bonhomme? Sinon, regarde, moi je t'explique, regarde, y'a rien. Une feinte à voleur, je la prends. Je vais là. Je la mets là, il est baisé. Elle est bonne journée. C'est à rien le voleur, t'es dégoûté. Il a le seum, t'as le mort, hein. T'as le mort, hein. T'es un haut elf, hein, t'as le mort. Ouais, t'as le mort, Skyrim, lol. Quelle grosse blague. Ah, 2000 balles, c'est le bon prix. 2000 balles ou je remballe. Ah, tu j'ai pendu. Alors 2000 balles, oui, il y a du j'ai pendu, mais attention, parce que des fois, c'est 2000, 2000 balles c'est bien, mais ça peut être 2100. Par exemple. À tester. Cool, au revoir brave Jean. Parfait. Bon là, on a fait un peu, voilà, on fait un peu de thunes maintenant du coup. Ah oui d'ailleurs, bah, la bourse en haut, regardez la bourse. Elle est craquelée, elle déborde, elle dégueule, c'est très rigolo. Investissement magasin, on pourrait lâcher un petit investissement magasin puisqu'on a 500 000 balles. D'accord. Oui, c'est vrai que ça pourrait se faire. De quoi? Hein? Allô? Allô? Le jeu? Oh, il bug encore. Parce que si je vous en ai pas tourné, c'est parce que ça bugotait un peu quand même. Hein. Ah oui, je vais vous montrer aussi les deux marchands que j'ai achetés, que j'ai payés. J'ai raté quelque chose, c'est 120 000. J'ai bien 535 000. Qu'est-ce que tu veux... Hein? Pourquoi tu m'emmerdes? Bon, vas-y, on va se payer le lead level 2, hein. Du coup... On va même se payer le lead level 3. Magasin de 3, c'est un assistant, des vitrines et plus d'espace de... Mais j'ai de quoi me le payer, ce truc, si tu me fais. Ou alors le prix est bugué, l'affichage du prix est bugué et j'ai pas du tout les moyens de me le payer en vrai. Et c'est genre 1 200 000 en fait. Voilà, bon, on va tous payer, on en parlera plus. Voilà. Voilà. Donc je vous montre les deux Goliots. Voilà, il y a ce Goliot là en fait. Qui vous vend des trucs hors de prix. Il vend des trucs mais vraiment hors de prix quoi. Tu te dis que tu te demandes comment lui peut exister ce gars-là. Il te vend des trucs à des prix hallucinants. Mais genre, quand je dis hallucinant, c'est genre 5 fois, entre 5 et 10 fois le prix de ce que je vends les trucs quoi. Ce qui fait que là où le jeu est un peu mal fait, c'est que si ce mec-là fonctionne, normalement moi je devrais augmenter. Je pourrais multiplier par 3 mes prix sans que c'est d'impact en fait. Alors oui, non mais attends, on va t'acheter des pollutions. Oui, non, j'en ai encore. Donc j'en ai encore 4. Ça m'ira. J'en ai encore 4. Et le dernier, il est là. Voilà, c'est sa petite tentouche. Bon, on ira le voir. On ira le voir de toute façon. Pourquoi vous avez tous un point d'exclamation là? C'est quoi ton histoire? C'est quoi ton histoire là? C'est ma bite mon histoire? Ah, parce qu'en fait, d'accord, ok. Oui. Ah, je devrais pas vendre mes radis. Ah, il faut pas que je vende mes radis, putain, je suis con. Oh merde. Bon bah tant pis, on va voir si j'en trouve. On va y trouver des radis. Alors je dis qu'on va se faire le boss, mais c'est même pas sûr, parce que évidemment, s'il y a moyen de faire une petite horde, la horde ça paye tellement qu'on se fera une petite horde, hein. Je vous le cache pas. Donjon de la forêt, sorti. J'ai sorti. Phase de chargement terminable, vous avez le temps d'aller faire tout ce que vous voulez. Si vous avez une petite vidéo de Sweezy à regarder entre deux, c'est le moment. Puisqu'on en aura pile pour 10 minutes 40 de chargement, quoi. Voilà. C'est incroyable du cul. Mettez un pouce bleu, hein. J'aime un commentaire partagé. Mais même moi, quand je le demande, je suis pas convaincu. C'est nul. Mettez pas de pouce bleu, ça sert à rien. Pas sur ces épisodes-là. Pas sur ces épisodes-là. Voilà. Ça, si ça vous démange vraiment, hein, mais je pense pas. Je pense que vous arriverez à survivre sans. Ça commence vraiment à être très long. Hein. Ah, merci. Ouais, alors. Ouais, moi je suis un mec de la lance. Hein. Oh bah, boss direct. Allez, c'est parti. Thank you.
Ah oui, mais c'est vrai que j'ai réenchanté ma lance, mais par contre pas mon... Ah, il faut que je joue la lance. Je fais beaucoup plus de dégâts à la lance. Ah, attends, ça supprime des malédictions. Voilà, super cool. Top à la vachette. Bon, il y avait rien. Je vais pas le temps d'aller voir. Ça se régénère pas. C'est parti. 206. Ah, tu peux balancer, vas-y, j'en ai rien à foutre. Voilà, merci de la bonne journée à toi. Bah, j'ai tout BPV. Oh, on y va. Oh, le mépris. Le mec, il est passé. Tiens, prends ta claque, je me casse. On va essayer d'aller visiter le boss quand même. Ça serait bien. Speedrun. L'épée aussi, des fois je suis couillon. Je suis couillon des fois, je réfléchis pas. Voilà, là par exemple, fallait passer à l'épée, clairement. Bon, là ils sont là que le lot, donc ça va. Qu'est-ce qu'on a? Suppression de malus. Ah, mais c'est suppression de malus dans tous mes objets, quoi. Mais c'est trop yombe. Mais sauf qu'à un moment donné, il faudrait que j'ai des malus. Sinon, ça marche pas. Sinon, ça marche un peu moins bien, quoi. Mais c'est cool, puisqu'on sait qu'à un moment donné, je vais en trouver, quoi. Bon, si j'en trouve pas, c'est vraiment la blague, quoi. Vraiment, mon malus, c'est de supprimer des malus, quoi. Très rigolo. Merde, j'ai perdu du temps, je vais me la manger. C'est bon. Hop, hop, toi t'es cuitos. Pas lui par contre. Hop, stabilise-toi. T'auras pas le temps de métalliser. Paf, allez. Bah, c'était pas par là. Moi je dirais bien, ça peut tout à fait être par là, mais je crois pas. Trop lent, trop lent, trop lent, trop lent, trop lent. Bah, je pense pas qu'il soit par là le boss, hein. C'est un peu trop long. Ah, ça détruit un objet, formidable! Il n'y a plus de malus. Et je peux tous vous empiler ensemble. Voilà, les gains de place monstrueux. Des objets inconnus! Oh non! J'aimerais tellement savoir ce que c'est! Qu'est-ce que c'est? C'est des fruits de la forêt. C'est les fruits de la passion. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir compiler? Ouais, idéalement plutôt toi, parce que normalement j'en aurais plus que des graines de café, j'ai envie de dire. Des sols fertiles. Bon, je vais appeler ça du café. Alors ce qui compte surtout, c'est que j'ai ça sur moi. Je vais avoir l'air bête, mais ça c'est vachement important. Vous aurez compris que j'ai pas trop de problèmes financiers. J'ai besoin surtout de ramener... Ça, normalement j'en ai pas besoin, mais j'en ai besoin pour certaines fabrications que je ne fais pas mais que je pourrais faire pour des objets à vendre. Par exemple, ça pourrait se faire. Ouais, vas-y, on est déjà loin ici, hein. on va purger l'étage. Hein. Voilà, bien fait pour ma gueule. Si j'étais moins con. D'accord, bon, pas du tout. Clairement. Voilà, point de poète. Point de poète. Ouh.
Il avait rien. Ah mais je voulais être sûr. Aïe, je suis con. Le jeu a dit vous êtes très con. Je marche dans le poison, comme un Golio. Y a rien non plus. Faut que j'arrête de me faire bobo au doigt. Hein. On va se claquer une potion quand même. Ça commence à devenir un peu risqué de naviguer comme ça. Alors ça, la lance. Voilà, ça, la lance. Voilà, voilà. Le monstre le plus facile du jeu grâce à la lance, quoi. Ça, c'est incroyable. Petite musique, décidément. J'aime vraiment beaucoup, je sais. Je vais chier à dire, eh, cool la musique, mais vraiment. Non mais vraiment, je vous dis. C'est mieux que du zouk tectonique. Hein. Bon bah du coup c'est par là le boss. Chez. Tu bouffes, tu payes. C'est moche d'être bugué, hein. On rigole pas tous les jours quand on est bugué, hein. Ouais, je comprends, ouais. Ouais, je vois bien, ouais. Je vois bien le problème. Ah, alors, moult truquerie. Mais pourquoi le jeu, il empile pas les choses? Je comprends pas. Je comprends pas tout ce que fait le jeu. J'aimerais bien pourtant, hein, je vous jure, mais... Une fois, c'est pas clair. Hein. Donc, Sésame, révèle-nous qui tu es. Des graines de courge. Cool. J'aime bien les graines de courge. Je pense que c'est une bonne idée. Voilà. Et bah magnifique, voilà. Il reste une quantité de place monstrueuse. Ah. Au moins. Bon alors. Ah, fontaine. Suivi de boss. Oh. Destruction maximale quoi. J'ai tous méga ultra poutré quoi. À la queue le, c'était beau. On a tous aimé. Paye. Tu payes Martoni, tu payes. Oh vas-y bombarde. Oh ouais vas-y bombarde moi la face. Vends moi du rêve. Ok. Bon bah il m'a bombardé la face, il m'a vendu du rêve. On a perdu beaucoup de stuff hein, quand même. Ouais donc en fait j'ai, je suis large pour faire tous les boss mais lui il me touchot quoi. Donc c'est bien que j'enchantais mon arme mais c'est peut-être temps d'améliorer l'armure en fait. En gros c'est ce qui est en train de me dire le jeu. Ce serait bien que tu améliores ton armure. Néanmoins on va le rejouer parce que je vais quand même pas partir les poches vides. On va pas rêver que je vais partir les poches vides. Ça, ça n'existe pas. Et puis qui sait, on aura le temps de se reprendre un bout de bois. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a par ici? Bleu, bleu, bleu. Alors des champignons, par contre, c'est très dur le champignon de jeu. Oh, du coup, on a que des items de 3ème zone. Oh, les sous-items. Oh non, je suis deg. Oh là. Ah, j'ai marché dedans. Par contre j'ai des boucliers bleus, c'est quoi ça? C'est quoi? Étrange. Elle démarre, elle disparaît un jour tes flaques de bougasse? Ah oui, oh, putain mais pas tout de suite hein. Aïe, oui, aïe, oui. Aïe, oui, oui, aïe, oui, oui.
quelque chose dans le trouillou. Il y a quelque chose dans le trouillou. Ah putain, un coffre vide. Ta mère. Ta mère, le jeu de troll. Bon, ceci dit, j'ai toujours perdu des... J'ai quand même évité de prendre des dégâts quand même. Sur ça de prix. Et ouais, bah oui, je suis un peu débilos. Hop. Ça, s'il te plaît. Merci. Faut une nouvelle. Dans le doute. Non, mais. Dans le doute, on est impuissant. Non, mais dans le doute. Mais wesh alors. Ah. Ah, ouais, attends, j'ai pris la max. Ok, c'était bien. C'était bien. Ah, oui, c'est bien. C'est bien. Et puis, merde, tape dedans à un moment donné, s'il te plaît, quoi. Non, parce qu'on a l'air ridicule, là. Ça se voit, quoi. Moi, tant que ça se voit pas, ça me dérange pas, mais dès que ça se voit, c'est un peu chiant quoi. Bon, allez. Bon, bah, le boss, hein. Bon, j'ai bien esquivé le boss tout le long, c'était quand même beau. Ah, oui, bah oui, c'est vrai que je suis en point de niveau 10 toujours, donc y a pas de. Tiens, tu crèves. Hop là. Ok. Le boss. Le boss. Tout ça de vite fait, hein. Je suis pas comme ça. Hein. T'as pas pris un seul dégât. Y a moyen d'aller taquiner du naze. Je sais pas, y a quelque chose au fond. Non. Chose au fond. Oui. Le mode horde. Ouais. Cool. Vas-y, envoie. Vas-y, fais péter Martoni. C'est mal rangé. Oh non, mais par contre les pétales ça vaut rien. Ça, vraiment ça vaut. Voilà, on est dans un monde où tout vaut des centaines voire des milliers de thunes et ça vaut 10 balles quoi. C'est bon quoi. Pareil, je pourrais peut-être me passer de tous les. Ouais, je commence à en avoir pas mal quoi. Ouais, il y en a besoin. On laisse ça par terre pour l'instant, pas de soucis. Vas-y. Round suivant. Plus. Ah, t'as bouffé. Hop là. Tiens, chais. Hop là. Hop. Merde, j'ai raté. Mais je. Oh, bâtard. Alors, ça c'est bâtard de m'attraper avant même de popper. Hein. Je prends le tarif. Il y avait même pas de grille de tarif. Saloperie. Après, je pourrais exploiter mon bouclier. Il est vrai. Il est vrai que je pourrais faire un truc comme ça. Mais non, de toute façon, on continue, on se pose pas de questions. Églou, églou. Allez, on voit la suite. Sale bâtard. Mais le sang t'es mort. Ah non, mais les mecs qui font de la DCA là, c'est bon quoi. Ok, c'est le niveau spécial avec les DCA là, c'est ça? Ok. On dit qu'on fait comme ça. Cassez-vous. Ah. Comme d'habitude, Gaming vous présente le niveau spécial DCA. Faudrait quand même que je boive des potions entre deux, hein, parce que je prends des risques monstres. Hein.
sert à rien là. Là je suis serein là, tu vois. Là, je me pose pas de questions. Je suis tranquille. Ah et par contre là où je suis pas tranquille c'est que en bas regardez, il y a un petit œil qui s'agite. Ok. Faut que je fasse ça. Je peux pas le faire ? Offrir de l'argent à cette vous ouvre un portail. Utiliser pour revenir plus tard dans le donjon. Ah ouais, mais je veux l'utiliser, con. Je veux l'utiliser, abruti. Abruti, man. Me laisse pas en galère, man. Ok, on va nettoyer. Non, ça il faut que je le garde du coup pour les futurs enchantes. Les champignons, ça vaut que dalle. Ok. Non, l'autre il va pop. Mais non, mais pop pas. Sois cool. Laisse-moi ouvrir mon coffre. Laisse-moi au moins ouvrir mon coffre. Sois pas comme ça non plus. Des pétales. Les pétales, ça vaut que dalle. J'ai déjà dit. Ça vaut rien. Ça vaut pas un clou. Au secours. Ton gland, ça vaut pas trop mal, je crois. Ouais, mais c'est pas grave. Ça dégage. Ça fait toujours des thunes. De toute façon, on va falloir libérer un peu de place. Il y a tout le contenu du coffre à prendre. Quoi? Mais non. Prends-moi mon coffre, salaud. Ah, mais attends, quoique s'il y a moyen de... attends. Parce que si... Parce que l'autre, là, il est en train de se déformer, il en peut plus, hein. Voilà. Est-ce que là, il y a moyen d'ouvrir ici mon œil de sauron? Non, il faut que je l'ouvre au-dessus. Ah, parce que là l'œil de sauron, il est en train d'arriver. Allez. Là, on bouge. Ouais, on va le calmer un peu. Téléporte-moi. Voilà. Les deux saurons étaient en train de s'énerver. Donc retour en ville. On a un coffre à aller chercher. Et quel coffre? Quel coffre, messieurs? Coffre de votre vie. Le coffre de votre vie. Ah oui, chargement de mes deux. Chargement de mes deux. Ok. Oui, ça en vrai je pourrais le reprendre parce que du coup j'en ai même pas trouvé. Non, ça. La bûchette elle va là. La bûchette ça va là. Ça marche aussi. Ah oui. Toutes ces conneries là aussi ça va là. Ça aussi. Pouvoir de l'enchantement. Ok. Non. Je veux que tout dégage, voilà, merci. Rends-moi mon oignon. Ah, merci. On sait déjà que j'en ai besoin. Paf, paf, pif, paf. Ok, c'est bon. On a tout déposé. Il me reste qu'une seule potion. Ça suffira de toute façon, puisque je ne peux pas vaincre leur boss de mes deux. Oui, bon, enfin, si tant que je suis là, en fait, ça serait con de pas faire 4 potions de plus, quoi. En fait, c'est vrai que. Faisons des potions, je voudrais faire, voilà, ça. Je voudrais en faire. 4. Poète. Un peu de monde la nuit qui traîne ici, hein. Oh les Kaira, hein. Hop là. Je vais chercher mon coffre. J'espère qu'ils n'ont pas réinitialisé le coffre d'ailleurs. Sachez qu'ils ont tendance à réinitialiser le donjon quand ils font ça. J'espère qu'ils n'ont rien réinitialisé. Hein. Même si le gros il apparaît, je m'en fous. Hein. Là, je veux mon coffre. Mon coffre de ses morts. Non, je veux mon coffre de ses morts, j'ai dit. Et en plus le son il est bugué. Ah les bâtards. Ah les bâtards. Ah non. Ah, le sang de tes morts.
On a plus le son de combat, tout est buggé, au secours. Oh putain, ils m'ont volé mon coffre. Ah, ils m'ont remis le bas, c'est tout en plus. Ah, jeu de merde. Ah non, je suis dégoûté là. Je vous avoue, je suis quand même bien deg. Je suis quand même bien dégoûté. Ah, je suis bien salé là. Ah, puis le jeu qui a bien bugué, genre t'as plus de son, t'as plus rien, c'est-à-dire que je sais même pas si le fait que mon coffre ait disparu, c'est normal, ou si c'est un bug en fait. Je sais pas, mais c'est chiant. Putain, c'est tellement relou. Ah, zen. Je me suis juste fait enfler un coffre Horde qui m'aurait permis d'avoir tout le matos qui me manque pour améliorer mon armure. Et mon arme. Non, je suis serein. Non, je suis très serein. Je suis un exemple de la sérénité. Je vais tabasser ce con, oui. Merci. Oh, je suis tellement vert. Ouais, mais je veux pas aller au boss, moi. Pas ce coup-ci, du coup. Aïe. Parce qu'on sait qu'on va se faire one shot. Donc, du coup, ça ne nous intéresse pas plus que ça. Ah, j'avais vu ton coup. J'avais pu prévenir ton coup. Et ici, en tant qu'à prendre du poison, je m'en fous, je vais en prendre. Mais je vais le tabasser. Oui, ça va me détruire ça en rentrant. Sinon, tu te positionnes comme ça, tu détruis rien en rentrant. C'est bien, ça se passe très bien. Ah oui, ça c'est un trouillou. Oh, je suis vert de rage. Je sais pas pourquoi je verrais bien le boss ici. Je vais peut-être aller plutôt par là. Ouais, c'est ça. Le boss est là. Mâcher du mec hein. Ah. Alors là par contre c'est toutes les pires merdes du monde que qu'on peut ramasser là. C'est parti, tu vas me mettre ça là. Ça part là. Et oui, on va faire ça comme ça. Je garde les gelées avec moi. Les popos quoi. Ça sont pas bien passionnantes hein. J'aurais kiffé un petit, une petite horde du coup pour me venger hein, pour avoir ma vengeance. Petite horde ça aurait été cool. Ah oui attendez, il nous reste un couloir à faire. Thank you.
dégueulasse, dégueulasse. Dégueulasse comme façon de jouer, monsieur. Ah bah encore un bois de la destruction. Bois de la destruction du chaos. Non mais le pétale ça vaut rien, je vous jure, hein. Le champignon aussi, hein, c'est pas... Bah c'est pas... ça vaut toujours quelques thunes, mais enfin bon... ça vaut autant que de la gelée mais que ça n'a pas d'utilité... Non, on va pas se mentir. Ouais par contre j'aimerais bien récupérer mes popos pour faire popo dans le pot. Ça serait formidable. Ça aussi ça veut dire ça vaut pas grand chose. Si j'aurais pu virer aussi les petites feuilles de, du haut de mon inventaire. C'est le même genre d'emplacement que là où il y avait ma horde, mais je suis sûr qu'il n'y en a pas. Voilà. Voilà, voilà. Donc là on a fait le donjon complet, hein, à part le boss. J'irai pas me faire le boss parce que j'ai pas. J'ai clairement pas l'armure pour y aller. Donc. Et le bouclier, je sais pas ce qu'il est capable de tanker du coup à ce niveau-là. Oui, tu détruiras rien. Voilà, très belle résolution, pas de soucis. J'ai bien placé mes objets. Je suis dégoûté. J'ai tellement. Je suis tellement deg. Je suis tellement deg. De m'être fait voler mon coffre de horde. Mais bon, c'est pas grave, je fais des tests pour vous, hein. Je fais des tests pour toi, Arthur. Voilà, tu seras, tu peux pas te barrer de ton donjon sans le contenu de ton coffre. Sinon ton coffre, il te le raquette. Et normalement, tous les autres d'ailleurs sont réinitialisés. Ça par contre, je le savais déjà. Tous les autres coffres sont réinitialisés. Ah, j'ai bien la rage. La petite rage dedans, tu vois. Vois-tu? Voyez-vous? Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Ok, non mais ça on s'en fout. Moi je veux mon armure en acier, merci. Ça... c'est le level encore du dessus, c'est ça. Bon, mon armure en acier s'il te plaît. Ah, je peux en forger deux. Allez vas-y, forgeons deux. Vas-y. C'était lesquels en acier? Ça c'est de l'acier, hein. Non, fer, acier. Acier 2. Ah bah fallait des bouts de bois que j'ai jeté par dessus bord. Bon bah écoute, c'est pas grave, hein, ça ne nous manquera pas. Là faut des oignons. Ah il faut des oignons. Ah il faut des oignons. Ouais parce que sinon il faudrait l'autre lance. Ce qui veut dire que c'est complètement mort. Donc ouais, voilà, en fait j'ai vendu mes oignons qui me permettaient de monter mon stuff, cool. Je suis pas du tout un blaireau, tout va bien. J'ai utilisé de la popo aucune. Et ben c'est pas grave, on va quand même se faire d'autres réserves. Ouais, 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 on va se faire notre réserve, vas-y, vas-y. Hein. Vas-y, on voit tout ce que t'as. Hein. Voilà, on en a eu pour des quantités astronomiques de pognon. Alors, attends, attends, attends. Pour ce qui est des enchantements, du coup, mon armure est enchantée encore ou pas? Ah d'accord, non, mais le prix, je m'en fous. Non, mais je m'en fous du prix. Non, elle n'est plus enchantée, du coup, mon armure. Eh ben... Enchantement, bah j'ai besoin d'enchanter la cuirasse que j'ai sur le dos. Le truc, c'est que je sais pas c'est laquelle. Admettons. Ah, oh, tu sais quoi? Oui, enfin, oui, non, mais... vas-y, enchante les deux. Non, pas ça. Enchante, enchante. Ah, oui, mais non, parce qu'il y en a une qui est destinée à la vente, donc ça sert à rien que j'enchante celle qui est destinée à la vente. Faut que je vois si je peux améliorer le petit bandana vite teuf, mais je crois pas, il faut que je retourne dans le donjon 1 pour ce genre de truc. Pareil, j'étais étonné, j'avais trouvé un arc, je crois, dans un donjon. Genre comme ça, ça quand même. Tiens, prends un arc. Ouais, je pourrais payer le level 2, bah si je trouve des bûches de wab. Donc je vais vous présenter les autres petits copains quand même, hein. Ça se fait pas. On passe en mode tange et tout quoi, cool.
Donc voilà, lui, il vend des items pour avoir des objets bonus, hein, pour avoir des trucs bonus à poser sur son. Dis-moi, tu as probabilité des voleurs. Tu as déjà cet objet. Ah oui, effectivement. Il est vrai. Donc voilà, ils vendent de la déco qui ont des effets sur la clientèle, etc. J'ai pris tout ce qui était bonus de vente, évidemment. Bienvenue chez le vendeur. Tout le monde est sans aucun doute le meilleur magasin de Rinoka. Donc alors Julien, c'est un Français, c'est un connard. Officiel, voilà. J'annonce. Donc voilà, il vend tout, regardez, tout est hors de prix. Voilà. Le bout de papier à 1125 dollars, quoi. Alors c'est pas 10 fois plus cher là, mais Ah, il a peut-être baissé un peu ses prix, le mec. Interesting. Par contre, si je fais ça, je peux. J'en achète un? Non, parce que dans ce cas, tu peux peut-être m'intéresser, genre si tu vends des oignons. Ouais, mais ça, j'en ai et je vois pas à quoi ça sert en fait. Mais En fait, c'est ça le truc. Mais Alors, si je t'achète ça. Ah oui, je peux t'en acheter autant que je veux du coup. Oh! Ah oui, sauf que mon sac est plein. Ah oui, donc si, ouais, il a quand même une utilité au moins pour l'acquisition des matériaux de base, quoi. D'accord, il y a au moins cet avantage-là. Ah oui, alors attends, mon coffre est plein. Ouais, enfin, je suis plein aussi, mais enfin, je suis plein de potions aussi. Hop. Ah oui, il y a une de mes deux armures qui est enchantée. C'est bon, le jeu est intelligent, il m'a mis celle qui était enchantée sur moi. Bien joué le jeu. Je suis fier de toi. Bravo. On est tous très émus. Voilà. Je disais, c'est quand même chaud que j'ai pas de place avec. Après les deux transfos d'armure que j'ai fait, franchement, j'ai pas de place et un petit peu d'abus, quoi. Donc ouais, qu'est-ce que. Ouais, de toute façon, ils nous vendent pas les radis dont j'ai besoin, le petit père là. Par contre, la version forêt, on pourrait. La version magique, je pourrais la faire. Je pourrais la faire parce que j'ai tout ce qu'il faut, il manque que des tubes en acier et je pourrais me faire l'épée de Forest Gump quoi. Ouais, on peut aller se faire ça. Faut que j'achète 6 bâtonnets je crois, maximum. Quoi, j'ai un peu de matos sans réserve. Moi j'ai plus de bâtonnets parce que c'est ce que je consomme le plus étant donné que je suis une armure lourde évidemment. Ah, par contre, par pitié, il n'y a pas moyen de les acheter par plus de 1 par 1. C'est là, c'est chiant. Ouais. Et du coup, ouais, donc du coup, t'as d'autres donjons. Ah, du coup, tu vends de la souche d'arbre. Eh ben, tu vends du radis qui pique. À 9000 balles. Un salaud. Alors qu'il me suffit de faire un coffre de horde pour l'avoir. C'est vache. Mais je vais quand même t'en prendre deux, parce que je crois qu'il m'en faut deux pour passer ma lance. Et ma lance, ça m'intéresse carrément. C'est ça. Ouais, il me dit que je peux faire celle-là du coup, il est con ou... Non, c'est bon. Non, c'est bon. Juste moi qui m'énerve pour rien. Tout va bien. Ah bah j'avais juste besoin d'acheter un radis, je suis bête. Vas-y, forge ça. Forge ce truc maintenant. Franchement ce truc. Il manque une souche. Ah non, j'en possède qu'une. Ah du coup ouais, je peux pas le faire. Vous voyez ce que j'ai fait la lance. Ah oui, mais je suis con de faire ça parce que du coup oui, je peux lui acheter deux bûches et un radis et je peux faire mon couteau qui va bien. Je suis pas intelligent. Hein. Ça se voit un peu. Hein. Ouais, faut que je t'achète hein. Deux bûches et un radis. Hein. Wasterful Merchant. Ah, d'accord. Ok, succès déverrouillé. Visiblement, acheter des trucs chez lui, ça déverrouille des succès. Bon.
crois que ça veut dire qu'on est feignant, mais je suis pas sûr. Vas-y. Oh mon épée bouclier. Yes. J'ai pas assez d'or, 64 000. C'est bien. Non mais je retiens que t'es une pourriture communiste. Je reviendrai. Plus riche. Puisque nous sommes le jour et que nous allons pouvoir faire cette session vente incroyable. Oui. Cet épisode aurait été beaucoup trop long. Oui. Oui, complètement. Y a pas de problème. Assumé. C'est assumé. Voilà, donne-moi tout ça. Faut qu'on aille vendre une connerie ou deux, quoi. Voilà, ça, je sais pas si d'ailleurs j'ai trouvé le bon prix de ce truc. Oui. Très bien. J'en ai qu'un comme ça ? C'est de la merde. J'ai le bon prix de ce truc ? J'ai le bon prix. Ça, je sais que ça vaut de la... hop là, je sais que toi, tu vaux du pognon. Toi, pas trop mal. Ça, ouais. Vas-y, renvoie. Attendez, ouais, mais j'ai trouvé tous les bons prix, en fait, des trucs, là. Ouais, c'est 400. Non, c'est pas. Ah. Ça, on verra bien. Ah mais ils sont... Ouais c'est par plein. Ah oui, ça vaut peut-être que dalle en fait comme truc. Si ça se stack par 10, je pense pas que ça vaut 700 balles l'unité hein. Vente de la flotte. La flotte c'est maîtrisé normalement en termes de prix. Ah non même pas. Oh, vas-y, vente la flotte. Qu'est-ce que je maîtrise en termes de prix? Ça c'est bon, c'est maîtrisé en termes de prix. Ça, 60 balles. Ça vaut que dalle. Ça, 400 balles, c'est parti. Ça, 900 balles, on a le bon prix de ce truc. Ah oui, on est plein. Ok. Donc malgré tout, il y a toujours plein de prix que je ne maîtrise pas. Hein. Poète, 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 poète. Un peu plus modifié. Ah oui, à partir du moment que le magasin est ouvert, tu peux plus modifier. Non, il n'y a rien en promo, papy. Hein. Cherche pas. Hein. Pas de promo. Hein. Pas de promo, non, on vend tout, j'y coule. Hein. J'ai rien à faire. Hein. Pas le temps moi pour tes conneries. Allez brave gens, faut tout acheter hein. Ça c'est bon, 300 balles, ouais c'est le bon prix. Ok, les bouses là. Le bousier acide, ouais. Ça dégage, ok. Ça c'est bon, c'est maîtrisé, allez vire-moi ça. Un pirate fortuné. Incroyable. On aura tout vu. Ils veulent pas m'acheter mon truc, mon bonhomme de paille. Hein. Je vais arrêter de mettre des trucs parce que je crois que sinon... On a acheté les petits salauds là. 1006 c'est bon. 900 boules c'est bon. Ok. C'est vendu. Ah, ça me laisse le temps de boire un peu de café froid. Excellent. Ah, c'est trop cher. Ah, mais elle l'achète quand même. Trop mignon. Donc on sait que 700 balles c'est trop cher, mais ça va. Il faut que je baisse le prix de ce truc. Très bien. On a une idée du prix de vente déjà. Hop là. Partons sur 600. Puis ouais, bon ici tu vas me rentrer toute la collecte. Oui, ça va faire baisser le prix, j'en ai rien à péter. Virez-moi tout. Allez, achetez tout le reste là. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. C'est encore trop cher du coup en fait. Ah oui, j'ai carrément bien monté le prix. Donc c'est 500 I suppose. C'est ça I suppose. Oui, oui, achète hein. Voilà, exactement. Oui, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que j'aille tuer des tourelles à fruits?
Alors ça, normalement, on en croise pas mal. Donc je dirais oui. On croise vraiment pas mal en général, c'est pas le problème. Bon, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour farmer son stuff quand même? Ah, voilà. Eh, hey, rends ça toi. Ah, merci. Excusez-moi, je suis une petite gestion des voleurs. La guilde elle est pas très au point. Ah mémé, bien joué mémé. Eh, petite racine, un petit ginseng hein. Un petit thé soupe ginseng hein. D'accord, c'est bon hein. Ouvre des racines. Vas-y mémé, fais péter. Allez, videz les stocks, videz, videz tout. Ah voilà, c'est bien. C'est presque vide hein. Allez, on se concentre un peu, il y a moyen de vider le magasin. Grouillez-vous. Grouillez-vous le cul. Réfléchis pas, achète. Ah ouais, alors par contre les héros spéciaux qui rentrent, j'ai pas un couteau à vous vendre, je suis désolé les gars. Je me suis pas trop concentré dessus, il faudra. Allez, c'est fini. Ouh, on a fait combien là? 99 000. Avec pas de très gros objets, c'est ça qui est rigolo. Qu'on fait là, voilà, on commence vraiment à mâcher du pognon de manière où on en a un peu rien à cirer, j'avoue. C'est plutôt cool. Ah, peut-être fallu que je garde quelques feuilles et ginseng et autres conneries du même genre. Moi, on s'en fout. Oui, donc nous, ce qui nous intéressait, c'était de faire ça, puisque je crois que j'ai déjà ma lance. Oui c'est ça, j'ai la nouvelle lance là. La lance en bois tout pérave. Ok cool. Ok. C'est le style. Bon par contre pour enchanter tout ça, clairement je suis trop pauvre. Hein. On va pas se mentir. J'aurais voulu enchanter du stuff. 32 000, je peux enchanter l'armure ou une de mes armes. Évidemment, j'ai choisi la lance. Alors oui, je vais aussi te faire... oui, on va regarder toutes tes potions. Voilà. C'est bon, on a tout vu là? Tu vas pas nous saouler? Merci. Ok cool, faudra que je m'intéresse effectivement au prix des ventes d'armes. Parce que j'en ai déjà vendu quelques-unes. Donc ça pareil, si vous voulez les prix je les ferai, je vous ferai ça. Y a pas de soucis. Bah, en attendant je vous remercie, c'était Knarfank sur Code d'habitude Gaming pour un épisode très long finalement de Moonlighter. Et bah, je vous dis à la prochaine, ciao.